que ça a l'air bon. Des mecs d'argent dans le parc commun. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de valade, hein? Hein? T'es un chic fou, mon mari. Ben, Crème, c'est toi qui m'as habillé. Ah, en tout cas, vous allez voir que... Ah, c'est une belle façon, hein? Ou c'est pas une belle façon? Vous allez voir qu'on vous a pas amené n'importe où. Hein. Comme restaurant, c'est tout un restaurant. Pensez-vous que j'ai mis mon manque quelque chose pour rien? Comment vous appelez ça? Je savais que c'était un endroit chic, j'ai grillé à la bonne femme. Ça va-tu bien, ce petit caractère? Oh, je me trouve bien belle. C'est vrai, moi. Écoute, André et moi avons découvert cet endroit tout à fait par hasard. Y a-tu des mouches? Pourquoi t'as mis ton nez à ta mouche? C'est une voilette. Hein? C'est une voilette, voyons. Ah, c'est une voilette. C'est la voilette, mode. Oui, c'est ça. Alors, André et moi avons découvert cet endroit tout à fait par hasard il y a quelques mois. Voulez-vous arrêter le jukebox ou bien là? Moi, j'ai ça. T'essayes de manger, il y a toujours quelqu'un qui pratique à quelque part. Non, mais ici, c'est tout. Depuis ce temps-là, nous sommes devenus des vrais habitués de l'endroit. Ah oui, c'est vraiment. Ah oui? Ah oui, c'est un restaurant. Il n'y a pas de McDonald's dans votre goutte, quoi? Non, c'est, ici, c'est de la haute cuisine. Hein. C'est pas exactement la même chose. Et le service est impeccable. Non, la cordialité, l'ambiance. Ici, c'est un restaurant chic. Ah, c'est vraiment divin. Vous avez la bonne femme? On en vient pas. C'est chic. Chic à votre goût? Non. On a commandé c'est et on n'en vient pas, nous, comme c'est bon. Tout est délicieux. Vraiment. Oui, enfin, tout est vraiment délicieux. Vous savez, je me suis laissé dire une chose. Il paraît que Suzanne Lapointe viendrait manger. Oh, ici. Dans le temps qu'elle mangeait. Elle mange quand je m'en vais. Ah, ben là, je sais pas. Je sais pas, mais on m'a dit qu'elle venait ici. T'es trop curieux. Donc, ça doit être délicieux. Ça vient ici, ça doit être the very best. C'est ça. Absolument. En tout cas, je bon, pense ben, qu'est-ce qu'on avait commandé? La soupe! Merci beaucoup, monsieur. Et je pense que vous allez apprécier la spécialité de la maison. Pose dans... Oscar! La soupe! C'est la spécialité de la maison, hein? C'est la soupe albigeoise. La soupe ça. Non, albigeoise. Mais là, on va vous attendre pour manger, par exemple. Oui, j'aimerais ça avoir le nom de ça, voilà. Albigeoise. Comme potage, c'est divin. Ah ouais. C'est une spécialité du sud de la France. Vraiment? Oui. Oui, ça dégoûte, hein. Il laisse des traces. Hein. Mais ça ressemble à une soupe aux pois avec des morceaux de carottes, ça. Allons. Comment t'appelles ça? Albigeoise. Comment ça, une soupe au pois? Voyons donc, Oscar, il n'y a pas de pois là-dedans. C'est quand même... Attends de goûter à ça, Oscar, c'est quand même plus relevé comme goût que ta vulgaire soupe au pois, quand même. Ben oui, l'albigeoise, ça doit être ça qui flotte, là. Je te jure. C'est ça? Ce qui flotte, ce sont des fèves de limon. Ben, je le savais que t'as le maudit soupe au pois, les fèves puis les pois. C'est la même affaire, ça. C'est pas une soupe au pois. Goûte à ça, Oscar, tu vas voir que ça a vraiment un goût très relevé. C'est une soupe albigeoise. Est-ce qu'on mange avec nos gants ou sans gants, là? On va commencer, tu peux garder tes gants, t'as déjà de la soupe après ta robe, parce que ça changera pas grand-chose. T'as de la peine, chérie? C'est le chou vert, le laurier, le persil, basilic qui donne à cette soupe, ce potage, que disent, que dire, son bouquet. Une minute. Une minute. Oh, t'es mieux d'appeler le gars. On vient de couper, c'est le moment drôle, je t'avertis d'avance. Le bouquet, ben ça, c'est le bouquet, justement, en parlant de bouquet. Mais qu'est-ce qu'il y a, Oscar? C'est le bouquet, ça. Comment? Ben là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Ça, ben, j'appelle le garçon. Ben, voyons, mais prends-t'en sur toi, là, Oscar. As-tu d'un grand restaurant ou pas d'un grand restaurant? C'est le plus grand. Bon, ben, garçon! Garçon! Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il? Laisse faire. Oui, monsieur? Goûtez donc à ma soupe. Qu'est-ce qu'il y a avec votre soupe, monsieur? Comment? Que tu commences pas à poser des questions, c'est pas un quiz, ça! Vous dites de goûter à ma soupe, mais goûtez-y à ma soupe! C'est que, monsieur, nous ne devons pas, c'est pas dans nos habitudes de... Bon, ça, veuillez pas m'ostiner longtemps. Vous avez un patron, vous aussi, là, vous avez d'hôtel, quelque chose? Appelez-les. Donc, au moins, l'air bête que vous, appelez-le. Je vais le chercher, monsieur. Ça se peut-tu, ça? Comment ça se fait, Oscar? C'est surprenant parce que vraiment, on a toujours été extrêmement satisfaits, n'est-ce pas, chérie? Pas de flafla, je t'ai dit. Urgelle. Je suis le maître d'hôtel.
Goûtez donc. Ce n'est pas dans une habitude d'écouter la soupe, monsieur, mais je peux faire un spécial. Disons que je peux vous la changer si vous voulez. Non, non, je ne veux pas que vous la changez. T'es un petit peu constipé, hein? Oui. Je ne veux pas écoutez, que vous la changez. Écoutez, monsieur, je peux changer votre soupe si vous voulez. Non, c'est à lui de vous amener. Un mal de goûter, hein, ça. Je ne vous demande pas de la changer. Non, je peux vous offrir des hors-d'œuvre si vous voulez. Non, si j'avais voulu des hors-d'œuvre, on aurait commandé des hors-d'œuvre. Pas ce qu'on veut, mais je voudrais que vous goûtiez la soupe. C'est-tu clair, ça? Hé, Irène! Excusez-moi. Sa batterie baisse. Je peux vous apporter autre chose ou vous réduire l'addition, si vous voulez? Non, il n'est pas question de réduire l'addition. De toute façon, c'est lui qui paye ma soupe. Mais je veux que vous goûtiez ça. Goûtez à ma soupe. D'accord, je vais bien. Mais... où est votre cuillère à soupe? Ben justement, je n'ai pas de cuillère, maudit. C'est ça, mon problème.